Coco, sais pas comment on va faire pour s'en sortir. C'est facile, mon Dieu. J'arrive. Tu arrives comment? Tu arrives, tu vois. Tu fais un tour. Mais sois précis, tu dis tu arrives, tu pars comment? Tu arrives, tu es Jésus. Ouais, commence par s'il te plaît. Moi, je reste moi toujours calme. C'est ton attitude qui me fait bavarder. Toi, tu me connais. Tu arrives, tu vas où? Tu arrives, tu es Jésus. Dis-moi que je vais sur telle place, là, je comprends. Mais Si, oui. un pro. Hein? Quelle est la différence? Bon, tu arrives. Tu ne vas pas quand même te balader partout, mon Dieu. Quand tu dis quand même que tu arrives, je suis ta moitié. Tu dis que tu arrives, dis-moi que bon, je vais sur telle place. Là, je comprends. S'il y a un problème là-bas, je cours vers là. Quand tu dis que tu arrives, si un incident arrive maintenant, je vais de quel côté? Non, sois Non, mais sérieux. je vais t'appeler. Tu vas m'appeler. Bon, et on fait comment avec maman Jeannette? Elle m'a appelé tout à l'heure là. Maman Jeannette, laisse, Brice, on ne va. bégaye pas. Ta grande soeur, elle t'a appelé depuis la semaine passée. C'est toi-même qui as dit que le 15, au juste le 15, tu es sans ignorer. Maintenant, tu dis que je laisse. Et après, elle va croire que peut-être c'est moi qui freine ce que tu vas lui donner. Hein? Ouais. Ouais, c'est qui? Brice, reviens sur terre quand même. Qu'est-ce qui se passe? Attends, combien elle a dit non, chérie, c'était combien? Oh. Nous sommes aujourd'hui le 15, c'est toi-même qui as ouvert ta bouche là pour nous dire que le 15, tu dois le restituer. Mais là, je te demande qu'on fait comment? Aujourd'hui, c'est le 15. Hein? Tu veux que je parle Ouais, et t'as. Non, non, non. tu es toujours comme ça. Non, je ne suis pas comme Non, ça. Tu veux que je parle en quelle langue? bon, attends, je rentre alors. Tu rentres à Attends, quelle je heure? rentre, pardon. Tu Pardon, vas, attends, je ne je sais rentre même pas maintenant. là où tu vas. Tu veux que tu rentres à quelle Tu heure? vas alors quoi maintenant? Je peux te dire quoi? Dis-moi, comment est-ce qu'elle Non, doit faire je quand m'appelle maman alors Jeannette chez va elle. Je appeler? m'en vais chez elle. Attends, je ne peux pas chez elle. Ça va Hein? non. Tu pars chez elle? Ça va non. Ça va non. Je pars Tu pars chez chez elle. elle comment? Tu veux la rappeler non? Tu veux lui dire quoi? Hein? Tu veux lui dire quoi? Je ne vais pas la rappeler. Mais tu me connais, hein? Si tu dans 30 minutes, dans une heure de temps, Ça va si comme ça. j'appelle ma Jeannette, elle me dit que tu n'es pas chez elle, tu auras de mes nouvelles le soir. D'accord, je m'en vais là-bas. Je te dis ça, c'est Je vais lui rappeler ce que tu viens de dire. Non, Pourquoi non, pas partir, non? tu dois lui donner ce qu'elle te Et demande. si je la trouve pas, tu perds le temps. Donc, comment tu l'appelles au téléphone? Ah. Tu devais l'appeler au téléphone pour lui dire que je suis en train de venir. C'est comme ça que ça se Je suis passe. que je n'ai pas fait ça, je... toi aussi. Oh, toi aussi. Nalmi. Comme ça que tu es. Le type, c'est tellement dur. Donner même quelque chose à sa propre famille, ça le dépasse. Ici, à la maison, tu ne donnes pas. À ta famille, tu ne donnes pas. À ma famille, tu ne donnes pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on ne peut pas avoir quand même un homme difficile comme ça. Tu travailles, on ne sait pas là où ton argent part. Mais s'il y a n'importe quoi, je saurais. J'étais à l'œil. Mais je vais appeler ma Jeannette dans 30 minutes. Si je l'appelle, elle me dit que tu n'es pas chez elle. Brice. Oh. Jésus des mondes. Mec, le savon est fini dans la maison. C'est grave. Il est poussé. Bon. Voilà. Bonjour, maman. Bonjour. Oui, bonjour. Ça fait déjà 2 mois et demi. Aujourd'hui, c'est le 15. Je demande mon loyer. Maman. Nous, regarde, je suis consciente qu'on te doit 2 mois de loyer. Tout à fait. Ça fait combien de temps que je vis dans ta maison? C'est 5 ans. Et ça fait quoi? J'ai eu un jour eu un problème de loyer avec toi. Ah. Donc 2 mois là, c'est devenu je sais pas quoi. Pardon, je veux mon loyer, maman. Si ça ne va pas, hein. Si vous ne tenez plus, pardon, sortez. Une autre personne vient me donner peut-être 1 an. Madame la bailleresse, si tu me parles sur ce ton, pour 2 mois de loyer. Attends, tu dis que je te parle sur ce ton? Dans ce cas, je te fais savoir alors que même le Cameroun est endetté. C'est le Cameroun, hein? Ce n'est pas ma maison. C'est le Mais Cameroun qui a 2 mois de ce loyer, n'est pas ma tu cries partout au quartier que les gens viennent m'entendre pour 2 mois de loyer. Jacques, hey, ta mère. Bonjour, papa. Bonjour, la mère. Dis à ton épouse, avec tout le respect que je lui dois, si vous ne pouvez plus habiter chez moi et payer, sortez de chez moi, je mets une autre personne. Das, tu es même normal. Tu es même normal. Elle dit que le Cameroun m'a endetté. Tu as l'argent de quelqu'un de mon nom payé, tu es quelqu'un fort. Tu es même normal. Miracle, miracle. Tu as vu la façon dont elle Non, peu importe, elle a raison. Elle est en retraite. Elle vit que de ses lois. Yes, au Christ. Elle est loyer. Tu es même folle.
Papa, c'est mon commandant. Pas trop, papa, s'il te plaît. Soussou, je veux mon argent de loyer. Bon, ouais, la mère, est-ce que maman. C'est dans ça que je mange. Maman, je sais. Je suis à la retraite depuis. Même mon truc de retraite, on ne me donne pas. Ce n'est pas encore là. Je peux quand même. J'ai mal fait de travailler toute ma vie, ma jeunesse. J'ai conçu la maison que vous pouvez louer et puis moi aussi je respire. Maman, tu vis de ça parce que même s'il faut que tu bois un bon vin, c'est avec cet argent. Ah. Maman, pardon, vraiment, c'est vrai qu'on a 2 mois non payés. Oui. Mais je pense que mon épouse et moi d'ici une semaine, vraiment, on va quand même se battre. Une semaine. Maman, pardon, s'il te plaît. La fois passée, tu as dit le 15. Tu ne savais pas que le 15 devait venir. Maman, le problème, c'est aussi les salaires. Les patrons disent que dans 2 mois, dans un mois. Mais quand même, il y aura un rappel. Et je vais quand même m'ajouter avec un bon vin. Non, j'ai pas besoin. Donnez-moi mon argent de loyer. Le vin, là, vient après. Donnez mon argent de loyer. Regarde, quand vous venez ici, la maison, c'était pas comme ça, non? Oui, maman, c'est c'était vrai. C'était en carbone. C'est vrai, maman. J'ai détruit, c'est en train de construire doucement. C'est vrai. Donnez-moi mon argent. Non, bébé, maman, dimanche, c'est moi qui viens vers vous à 8h. Je vous cogne la porte et je paye vos 2 mois non payés. Si encore un mois de plus, je vais payer. Pardon, maman. Dimanche. Maman, dimanche matin. Dimanche, elle n'est pas loin. Dimanche, à ça, je veux mon argent. Maman, il n'y a pas de problème. Mon argent. Ok, maman. La sueur de mon front. Ok, maman. Comme je parle, la bonne dame dit que le Cameroun est endetté. Le Cameroun est endetté, c'est moi qui ai endetté. La mère parle. Le Cameroun, c'est pas moi. Méfiez-vous à vous, les enfants d'aujourd'hui, quand vous parlez à une maman comme moi. Si. Tu veux me voir quand j'étais jeune? Ouais. Tu fais que tu arrêtes ta bouche comme si tu vas aller cogner ça sur le mur. La mère, ça va. C'est la première. Il faut dire à ton épouse. Maman, laisse. Maman. Tu connais mes enfants avant qu'elle vienne dans ma vie. Bien sûr, maman. Tu connais mes enfants. Mes enfants sont en Europe. C'est vrai. Tu penses que je demande l'argent de la location parce que je souffre? Je ne souffre pas. Ça me vient de droit de demander mon argent de loyer. Là, c'est vrai. Merde. Tu m'as ma dernière fille, écoute ce que tu me parles là. Tu vas encore rester ici 2 jours. Ouf. Méfiez-vous, hein. Maman, pardon. Méfiez-vous. Maman, pardon, ça va, pardon. Mais c'est pas possible. Pardon. Elle m'a parlé ça, elle dit que le cabron. Elle dit que. Comment quelqu'un vient te demander son argent de loyer? Tu as 2 mois sans payer. Tu cries encore. Tu connais la façon auquel elle est. Non, tu es d'abord dans l'infraction. Ça, c'est la filoterie de loyer. Tu as 2 mois sans payer. Quand il y a une manière de parler au bailleur, quand tu n'as pas l'argent, que moi, vraiment, moi-même, j'attendais un argent, mais c'est pas tombé. Patiente, moi-même, dans 1 mois, même dans 2 mois, elle va crier, mais parti. Quand elle que tu cries, c'est énervant. Comme tu connais combien de fois, j'aime tellement cette bailleuse. Mais la façon qu'elle est venue avec aujourd'hui, c'est comme si elle a des choses dans son cœur me concernant. Alors, regarde, Dax, écoute-moi, écoute-moi, Gérard, écoute-moi.